La première prière. The first prayer. La première prière. The first prayer. Est une prière de supplication. Is a prayer of supplication. La Bible dit. The Bible says. Ne vous inquiétez de rien. Do not worry about anything. Dans toutes choses. That in all things. Faites connaître vos besoins à Dieu. Make your needs known to God. Par des prières. Through prayers. Par des supplications. And petitions. Avec les actions de grâce. And with thanksgivings. Tu vas supplier Dieu. You are going to beg God. Si tu es malade. If you are sick. Tu vas lui dire que tu es malade. You are going to tell him that you are sick. Tu vas supplier qu'il te guérisse. You will beg him to heal you. Tu supplies Dieu, tu dis, tu peux me guérir. You beg God, you say, you can't heal me. Et quand tu supplies Dieu, when you beg God, tu lui dis la vérité. You tell him the truth. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus, if you have not accepted Jesus, je préfère que tu restes assis. I would rather you remain sitting. Parce que la prière, because the prayer, sera une prière de proclamation. Will be a prayer of proclamation. Exemple. For instance. Peux-tu dire, dis. If I say. Oh Jésus. Oh Jesus. Je t'aime. I love you. Si ce n'est pas vrai. If it is not true. Tu vas rentrer maudit pour rien. You will go back cursed for nothing. C'est pour ça qu'on a commencé par présenter Jésus pour que chacun se réconcilie avec lui. That's why we started by presenting Jesus for each one to be reconciled with him. Tu es venu prier. You came to pray. Tu n'es pas venu pour être maudit. You didn't come to be cursed. Si tu as refusé Jésus, if you have refused Jesus, je te demande pardon, reste assis. I beg your pardon, you remain sitting. Personne ne va te critiquer. No one will criticize you. Le jour où tu seras prêt, the day you will be ready, tu te lèveras. You will stand up. Mais pour aujourd'hui, but for today, reste assis. Remain sitting. Quand je vais engager, when I start, tu seras responsable de tes proclamations. You will be responsible for your proclamations. Ceux qui ont donné leur vie, vous vous êtes déjà sanctifiés. Those who gave their life to Jesus, you are already sanctified. Qui veut changer de camp? Who wants to change side? Maintenant, now, présente ton problème à Dieu. Present your trouble to God. Oui, viens le camp. Yes, come, do not fear. Que personne n'ait honte. Let c'est no le one, diable qui te fait avoir honte. Viens. Let no one be ashamed. It's the devil that causes you to be, make you be ashamed. Come. Tu peux venir avec, étant accompagné par quelqu'un qui est là et qui pense que tu es un vrai croyant. Le diable te dit, ne te lève, il va croire que tu étais hypocrite. You may have come with somebody who sees you as a genuine believer, and the devil will tell you, no, do not get up. If not, they will see that you are a hypocrite. Oui, acclamez. Yes, clap. Oui, acclamez. Yes, clap.
Nous allons commencer. We are going to start. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Levez les mains. Raise your hands. Dis Seigneur. Say Lord. Que ton nom soit glorifié. May your name be glorified. Si tu es là pour la première fois. If you are here for the first time. Tu vas demander à Dieu ce que tu veux. You are going to ask God that which you want. N'aie pas peur. Do not be afraid. Il va te donner. He will give you. Comme tu l'as reçu, demande-lui tout ce que tu veux. Ce qui est sur ton cœur. As you have received him, ask him all that you want, that which is on your heart. Amen. Amen. Dis, oh Père. Say, oh Father. Toutes choses te sont possibles. All things are possible to you. Tu peux m'aider. You can help me. Tu peux m'aider. You can help me. Tu as dit dans ta parole. You said in a word. Invoque-moi au jour de la détresse. Call upon me on the day of. Je te délivrerai. I will deliver you. Et tu me glorifieras. And you glorify me. Dis, oh Père. Oh Father. Je suis dans la détresse. I am in trouble. Je suis moi-même le témoin de ce que je vis. I myself am the witness of that which I'm living. Seigneur. Say, Lord. Si j'explique aux hommes, if I explain it to men, ils ne vont pas comprendre. They will not understand. Je crie à toi. I cry out to you. Exauce-moi. Answer me. S'il te plaît. Please. Commence à lui dire ce que tu veux. Start telling him what you want. Oh Père, oh, Father, viens à mon secours. Come and help me. Continue à prier. Keep praying. Tu peux prier pour toi-même. You can pray for yourself. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. You can pray for somebody else. Tu peux prier pour un parent. You can pray for a relative. Tu peux prier pour un ami. You can pray for a friend. Tu peux prier pour un collègue. You can pray for a colleague. Tu peux prier pour ton dirigeant. You can pray for your leader. Tu peux prier pour tes disciples. You can pray for your disciples. Tu peux prier. You can pray. Même pour tes ennemis. Even for your enemies. Même pour tes ennemis. Even for your enemies. Crie à Dieu. Cry out to God. Dis, oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh, Father. Oh Père, oh, Father. C'est toi you are the one qui peux me délivrer. Who can deliver you. Continue à lui parler. Keep praying, keep speaking to him. Dieu Père, oh, exauce-nous, exauce-nous. Answer us.
Aisons-nous. Oh Père, aisons-nous. Continue à crier à Dieu. Oh Père, ouvre les portes là où il faut ouvrir les portes. Open the doors where doors need ouvre to les portes là où il faut ouvrir les portes. Open the doors where doors need oh to Père, open. Ouvre les portes là où il faut ouvrir les portes. Open the doors where doors need to be open. Brise les chaînes là où il faut briser les chaînes. Break the chains where chains need to be broken. Brise les chaînes là où il faut briser les chaînes. Break the chains where chains need to be broken. Brise les chaînes là où il faut briser les chaînes. Break the chains where it is needed. Rompre les liens là où il faut rompre les liens. Break the ties where it is needed. Rompre les liens là où il faut rompre les liens. Break the ties where it is necessary. Oh Père. Oh Father. Continue à prier. Keep praying. Ora bakasarga bakasarga bakasarga. Ora 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 bakasarga bakasarga. Oh Père, trouble le séjour des morts. Trouble le séjour des morts. Trouble les abîmes. Trouble the abyss. Renverse les montagnes. Pull down mountains. Viens à notre secours. Come and help us. Viens à notre secours. Come and help us. Continue à prier, continue à prier. Keep praying, keep praying. Prions en langue, prions en langue. Prions en langue, prions en langue. Ora bakasara bakasura bakasara bakasura bakasura ora bakasara bakasara 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 Les armées ennemies. Continuez à prier.
Continue à prier, continue à prier. Dieu, Père, oh Père, renverse tout ce qui existe quelque part contre tes enfants. Renverse. Toute chose qui existe quelque part, à quelque lieu que ce soit, contre ton peuple, que cette chose soit cassée, brisée, cassée, brisée, renversée, cassée, brisée, renversée. Continue à prier. Lève ta main droite. Dieu, Père, oh Père, visite le séjour des morts. Hades. Qu'ils soient troublés. Let it be, que ceux qui sont captifs soient libérés. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de captivité. Les chaînes de captivité. Que toute personne dont l'âme est déjà dans le séjour des morts soit libérée. Soit libérée. Au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Orobakaseka rabakaseka. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Que toute femme, tout homme, let any woman, any man, sous le joug, l'esclavage des maris de nuit, under the bondage of soit délivré. Be delivered. Que tout mari de nuit s'en aille. Let every spirit husband be gone. Mari de nuit, va-t'en. Spirit husband, depart. Va-t'en. 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 Depart. Que la liberté soit totale. Let freedom be total. Que la liberté soit totale. Let freedom be total. Que la liberté soit totale. Let freedom be total. Que toute personne, every person, encore sous le joug de mari de nuit, under the yoke of soit libéré, libéré. Libéré. Marie de nuit. Va-t'en. Va. Nous brisons ton emprise. Nous détruisons tes liens. Continue à prier, continue à prier. Dieu
Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous jugeons tous les esprits de mort. Nous jugeons tous les esprits de mort. Nous vous condamnons et nous vous chassons au nom de Jésus. Partez, 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 partez. Partez, 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 partez. Continuez à prier. Qui prie? Dis au nom de Jésus, nous jugeons tous les esprits des eaux, tous les esprits des eaux, nous déclarons libre toute personne qui est suivie par les esprits des eaux. Nous vous chassons. Partez, 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 partez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous frappons tout ce qu'on appelle l'esprit des eaux. Nous brisons votre emprise. Partez, 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 partez. Continuez à prier. Keep praying. Dis au nom de Jésus. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Si quelqu'un m'a envoûté en utilisant soit mes habits, by using my clothes, soit l'argent que je lui ai donné, my clothes or money that I gave ou tout instrument quelconque, any tool, nous brisons cet envoûtement. Break that bewitchment. Nous brisons cet envoûtement. Break that bewitchment. Nous brisons cet envoûtement. Break that bewitchment. Nous cassons cet envoûtement. Break that bewitchment. Nous cassons cet envoûtement. Nous bannissons cet envoûtement. Et nous chassons tous les démons, qui nous ont suivis à cause de ces envoûtements. Tous les démons, tous les esprits, tous les esprits qui nous ont suivis à cause de ces envoûtements. Partez, 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 partez. Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons toute maladie qui est venue à travers les envoûtements, les choses qu'on m'a données à manger, soit dans le songe, soit dans la réalité, les choses qu'on m'a données à boire, soit dans le songe, soit dans la réalité. Je brise tous ces mensonges, tous ces mensonges, les choses qu'on m'a données en disant de porter, que ça va me protéger. Tout ce qu'on m'a donné, les écorces, les bracelets, les talismans, je brise tout cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Be seated, please. Nom de Jésus-Christ.
In the name of Jesus. Dans chaque vie, l'envoûtement soit brisé et banni. Let every bewitchment be broken and banned in each life. Restez concentré et dans la foi. Remain concentrated in faith. Saint-Esprit travaille. The Holy Spirit is at work. Si tu veux vomir, ne crains pas, c'est le démon qui part. If you want to vomit, do not fear, it's the demon that is going. Saint-Esprit au contrôle. The Holy Spirit is in control. Partons! Depart! Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Esprit. Every spirit. Qui a suivi quelqu'un. That followed somebody. Est-ce que la personne est envoûtée? And that the person is bewitched. Soit qu'on a pris ses habits. They took that, the dress of that person. On a pratiqué la sorcellerie avec. And practiced witchcraft with it. Et déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. You are free. Libre. You are free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Même si tes parents t'avaient vendu. Even if your parents sold you. À un féticheur. To a fetish man. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Même si tes parents t'avaient vendu. Even if your relative sold you. Même si toi-même tu t'es vendu. Even if you sold yourself. Quand tu étais dans l'ignorance, sans force. When you were in ignorance, without strength. Tu voulais la protection. And you wanted protection. Tu es parti te vendre. You went to sell yourself. Croyant que c'est la protection. Believing it is protection. Je déclare. I declare que tu es libre. That you are free. Je déclare. I declare que tu es libre. That you are free. Je déclare. I declare que tu es libre. That you are free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Avec Jésus, with Jesus, on passe we pass des ténèbres à la lumière. Go from darkness to light. De la puissance de Satan à Dieu. The power of Satan to God. Démon. Demon. Tu dois laisser toute personne. You must leave any person. Laisse. Leave. Toutes les âmes appartiennent à Jésus. All the souls belong to God. Sors et va-t'en. Get out and go. 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 Sors et va-t'en. 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 Because, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en. Because, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Urabakasharga bakasharga baga. Urabakasharga bakasharga bakasharga baga. Urabakasharga bakasharga. Va-t'en, vite. Go, quickly. Toutes les âmes appartiennent à Jésus. All the souls belong to Jesus. Rien à Satan. Nothing to Satan. Tout à Jésus. All to Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous condamnons toutes les alliances. We condemn all the covenants. De nos ancêtres contractés avec les démons. Of our ancestors with the demons. Nous condamnons ces alliances. We condemn those covenants.
Nous déclarons we declare que c'était le mensonge. That it was lie. Jésus a dit, Jesus said, le voleur ne vient que pour dérober. The thief comes only to steal. Dites-vous tous les démons. You are the demons. Vous êtes venus dérober. You came to steal. Vous ne pouvez pas protéger. You cannot protect. Vous ne pouvez pas protéger. You cannot protect. Vous n'avez rien. You have nothing. Vous êtes venus voler. You came to steal. Nous déchirons ces alliances. We tear that covenant. Nous les déchirons. We tear them. Nous les annulons. We cancel them. Nous déchirons ce qui est matériel. We tear that which is material. Nous détruisons ce qui a été verbal. We destroy that which was verbal. Nous détruisons tout. We destroy all. Et nous libérons les captifs. And we release the captives. Nous libérons nos familles. We release our families. De ces alliances démoniaques. From this demonic covenant. Et mensongères. And liars. Et nous chassons toute l'armée des démons. And we cast out all the army of partez. You go. Sortez de nos familles. Get out from our families. Sortez de nos familles. Get out from our families. Vous n'êtes pas de Dieu. You are not God. Vous êtes des mauvais esprits. You are evil spirits. Vous n'êtes pas de Dieu. You are not God. Vous êtes des mauvais esprits. You are evil spirits. Partez, 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 partez. Partez, 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 partez. Partez, partez, partez. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et nous chassons les maladies. And we cast out the diseases. Les maladies. Diseases. Qui proviennent de ces alliances. That originate from the nous covenant. Chassons la pauvreté. Cast poverty. Nous chassons la pauvreté. We cast out poverty. Qui provient de ces alliances. That originates from that la covenant. Misère. Misery. Qui provient de ces alliances. That originate from nous that jugeons covenant. Le célibat. We qui provient de ces alliances. That is from this covenant. Nous libérons les célibataires. We release. Nous les bénissons avec des vrais mariages. Bless them with genuine marriages. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Avec la puissance du Saint-Esprit. With the power of the Holy Spirit. Gardez le calme. Remain silent. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va. Go. Sors. Get out. Et ne reviens plus. And no longer come back. Sors. Get out. Nous jugeons les alliances mensongères. Judge the lying covenants. Dis nous proclamons. Say we proclaim que les idoles that idols ne sont pas de Dieu. Are not God. Les idoles idols ne sont pas de Dieu. Are not God. Les idoles idols ne sont pas de Dieu. Are not God. Sortez. Get out. Partez. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Kere kaseka. Lève ta main droite.
Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous cassons toutes les prisons. We break all the prisons. Nous cassons toutes les prisons. We break all the prisons. Nous cassons les lieux d'adoration. We break the places of worship. Nous cassons les quartiers généraux. We break the general headquarters. Nous cassons les arbres adorés. We break the trees that nous are invoquons le feu de les brûler. We call upon the fire of God. Nous asséchons de l'eau. We dry out the waters. Tous les cours d'eau all the streams adorés. Worshipped. Et nous les asséchons. We dry them out. Nous déclarons we declare que les captifs sont libres. That the captives be free. Dis captifs. The captives. Sortez. Get out. Et venez à Jésus. And come to Jesus. Captifs. Captives, sortez get out des prisons from prison et venez à Jésus and come to Jesus. Say the name of Jesus. Si quelqu'un a été mis dans une bouteille, if somebody has been put into a bottle, pour qu'il n'y ait pas d'évolution, which is not evolution, ou pour l'obliger à vivre quelque part, to oblige him to live somewhere, ou pour l'obliger à donner quelque chose à quelqu'un, or to compel him to give somebody something. Nous to somebody. Cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous libérons les captifs. We release the captives. Nous libérons les captifs. We release the captives. La volonté de Satan ne s'accomplira pas. The will of Satan will not be accomplished. La volonté de Dieu s'accomplira. With the will of nous God libérons les captifs. We release the captives. Nous libérons les captifs. We release the captives. Nous libérons les captifs. We release the captives. Si tu es une femme, if you are a woman, ou un homme, or a man, qui a des visitations de mari de nuit ou de femme de nuit, who is visited by spirit husband or spirit wives, mais qui s'est caché, and that he has hidden, nous allons frapper d'un commun accord. We are going to strike in one accord. Si quelqu'un a encore un mari de nuit caché, if somebody still have a spirit has been hidden. Que le jugement le frappe. Let the judgment strike him. Qu'il parte. Let it go. Qu'il ne vole rien en partant. He should steal nothing while going. Qu'il ne vole rien en partant. He should steal nothing while going. Le mari de nuit est un phénomène réel. The spirit husband is a real phenomenon. Ça perd le temps. It wastes time. Ça bloque les vies. It blocks lives. Ça apporte la pauvreté. It brings poverty. Ça casse les foyers. It breaks households. Ils doivent partir. He must go. Ils doivent partir. He must go. Ils doivent partir. He must go. Oui. Yes. Vous devez partir. Now you must go. Vous devez partir. You must go. Oui. Yes. Vous devez partir. You must go. Nous frappons. Nous frappons. We strike. 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 Nous imposons la liberté. Nous imposons la liberté. We impose liberty. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Gardez le calme. Remain calm. Lève ta main. Raise your hand. Dis toi qui veux te cacher. Say you who wants to hide. Nous envoyons le feu de Dieu. Send the fire of God. Le feu de Dieu sur toi. The fire of God on you. Le feu de Dieu sur toi. The fire of God on you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prions en langue. Let us pray in tongues. Qu'aucun ne se cache, aucun ne se cache. Let none of them be hide. Pas de cachette, pas de cachette. No hiding place. Pas de secours. No nous help. Jugeons le secours. Judge the help. Nous jugeons le renfort. Judge the reinforcement. Nous jugeons le secours. Judge the help. Nous jugeons le renfort. Judge the reinforcement. Nous jugeons le renfort. Judge the reinforcement. Nous jugeons le renfort. Judge the reinforcement. Nous jugeons le secours. Judge the help. Nous jugeons le renfort. Judge the reinforcement. Partez. Be gone. Dis mari de nuit, va-t'en. The spirit husband, be gone. Si tu n'es pas un mari, va-t'en. Say, you are not a husband, go. Va-t'en. Be gone. Dis, je te chasse, je te say, chasse. I cast you out, I cast you out. Dis, moi-même, je te chasse. Say, I myself, I cast you out.
Je suis d'accord avec mes frères qu'on te chasse. Dis, je suis d'accord avec tous mes frères que tu sois chassé, chassé, chassé. Va-t'en, 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 va-t'en. 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 Dieu au nom de Jésus, nous arrachons tout ce que les maris de nous ont volé. Nous arrachons, nous arrachons, nous arrachons tout ce que les maris de nous ont volé, tout ce qu'ils ont volé. Nous restituons à chaque personne ses biens. Nous restituons à chaque personne ses bénédictions. To each person is blessing. Nous restituons à chaque personne ses bénédictions. We give back to each person his blessing. Bénédiction, bénédiction, blessing, blessing, blessing. Bénédiction, bénédiction. Blessing. Bénédiction, bénédiction. Blessing, blessing, blessing. Dis-nous restituons. Say we. À chaque frère. Each brother. Ses bénédictions. His blessing. Ses bénédictions. His blessing. Ses bénédictions. His blessing. Lève ta main. Raise your hand. Dis. Say, pendant que le mari de nuit était dans ma vie, while the spirit husband was in my life, il m'a fait perdre beaucoup de choses. He made me lost a lot of things. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis mon père. Say, my father. Restaure-moi dans ma dignité. Restore me in my dignity. Restaure-moi dans la dignité. Restore me in my dignity. Restore-moi dans la dignité. Restore me in the dignity. Les maris de nuit m'ont dépouillé. The spirit has been have stripped. Oh, restore-moi dans ma dignité. Oh, Father, restore me in my dignity. Restore-moi dans ma dignité. Restore me in my dignity. Restore-moi dans ma dignité. Restore me in my dignity. Holy kabaka saka rabaka saka baka. Ori baka seka. Ori baka seka. Dis Seigneur. Say, Lord. Regarde mon âge. Look at my age. Mais je veux me marier. But I want to get married. Bénis-moi. Bless me. Prie comme ça. Pray like that. Où t'es-tu passé? Tu peux. Say, Father. Ta bénédiction. Your blessing. Peut le rendre possible. Can make it possible. Regarde mes enfants. Look at my children. Mon âge. My age. Mes enfants. My children. Oh Père. Oh Father. Est-ce que c'est encore possible? Is it possible again? Mais oui, avec toi, c'est oui. But with you, it is yes. Je peux encore. I still can. Aller à la mairie. Go to the city hall. Je peux encore. I still can go. Je peux. I can. Grâce à toi. Thanks to oh, you. Oh Seigneur. Oh Lord. Je veux me marier. I want to get married. Je veux un vrai mariage. I want a genuine marriage. Avec quelqu'un qui déclare clairement qu'il veut m'épouser. With somebody who declares clearly that he wants to marry me. Pas quelqu'un qui vient tourner longtemps sans parler. Not somebody who wants to turn around long without speaking. Quelqu'un qui va tout droit au but. Somebody who goes straight to the point. Et qui me prend. Who takes me. Pour épouse. As a wife. Dis, oh Père. Say, oh Father. À mon âge. At my age. Quelle femme va accepter? What, which woman will accept? Mais c'est possible. But it is possible. Tu es mon Père. You are my Father. Je veux me marier. I want to get married. Je veux me marier. I want to get married. Continue à prier pour toi-même. Keep praying for yourself. Un miracle va se produire. A miracle will be produced. Un miracle va se produire. A miracle will be produced. Un miracle va se produire. A miracle will be produced. Ce sera un miracle. It will be a miracle. Ça ne sera pas une chose normale. It will not be a normal thing. Ça va se passer comme un miracle. It will come to pass as a miracle. Ça aura la forme et la couleur des miracles. It will have the shape and the color of miracles. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Agis maintenant. Act now. Souviens-toi de moi. Remember me. En ce jour. On this day. En ce jour. In this day. Exauce-moi. Answer me. En ce jour. On this day. Exauce-moi. Answer me. Garde le calme. Remain calm.
Pose la main sur ton visage. Lay your hands on your face. Dis Seigneur. Say Lord. Lave-moi. Wash me. Dis je ne sais pas ce qu'on a jeté sur mon visage. I don't know what has been cast on my face. Pour provoquer le rejet partout, le rejet. To provoke rejection everywhere. Dis on m'oublie partout. They forget me everywhere. Tout ce qui est bien. All that is good. On m'oublie. They forget me. Mais quand c'est une mauvaise chose, but when it is something bad, je suis le premier. I am the first. Qu'on appelle. That they call. Si c'est pour distribuer les bénédictions, if it is to share blessings, on m'oublie. They forget me. Lave-moi. Wash me. Que ton sang lave mon visage. Let your blood wash my face. Que je sois pur. Let it be pure. Que je sois propre. Let me be clean. Que je sois acceptable. Let me be acceptable. Que j'inspire facilement confiance. Let me inspire trust, confidence. Oh, Rekabaka, je prie pour toi-même. Pray for yourself. Dis que si c'est un mauvais visage qu'on a collé sur moi, je l'arrache, je la jette. Say, if it is an evil face that I have stuck on you, I snatch it. J'enlève tout mauvais visage. I remove any evil face. J'enlève. I remove. J'enlève. I remove. Je jette. I cast it out. Je jette. I cast it out. Je jette. I cast it out. Et je prends mon visage normal. I take my normal face. Que Dieu m'a donné. That God gave me. 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 Je prends. I take. Mon vrai visage. My true. Que Dieu m'a donné. Face that God gave me. Je me lave dans le sang de Jésus. I wash myself in the blood of Jesus. Je me lave dans le sang de Jésus. I wash myself in the blood of Jesus. Je me lave dans le sang de Jésus. I wash myself in the blood of Jesus. Je me lave dans le sang de Jésus. I wash myself in the blood of Jesus. Je me lave dans le sang de Jésus. I wash myself in the blood of Jesus. Dis Père. Say Father. Si y a des gens, if there are people, qui prennent mon visage, who take my face, pour l'utiliser dans la sorcellerie, to use it in witchcraft. Je condamne cela. I condemn this. Et je chasse ces esprits. And I cast out this spirit. Je condamne cela. I condemn it. Je condamne cela. I condemn this. Je condamne cette pratique. I condemn this practice. Je juge cette pratique. I judge that practice. Et j'interdis. And I forbid. Que mon visage soit touché. That my face be touched. Car je suis consacré à Dieu. For I am consecrated to God. Prions en langue. Let us pray in tongues. Oroba kashere baka goba kashere baka goba kashere baka goba ka oroba kashere baka goba kashere baka oroba kashere baka goba kashere baka oroba kashere baka oroba kasheka oroba kasheka oroba kasheka oroba kasheka oroba kasheka oroba kasheka oroba kasheka. Lève ta main droite. Raise your right hand. Si tu as vu la nudité d'un fou. Say you have seen the nakedness of a madman. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me sépare. I separate myself. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. De ce fou nu que j'avais vu. From that naked madman that I saw. Et je chasse tout esprit qui m'a suivi. And I cast out every spirit that followed me. À cause de cette nudité de fou. Because of that nakedness that I saw. Que mes pensées soient pures. Let my thoughts be pure. Propre. Clean. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pure. Pure. Propre. Clean. Au nom de Jésus. In the name of Jesus.
Lève ta main droite. Raise your right hand. Et au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je juge. I judge. Toutes les pratiques sexuelles abominables. All the abominable sexual practices. Je juge. I judge. Toutes les pratiques sexuelles perverses. All the perverse sexual practices. Je brise les liens, ma sœur. The evil ties. Établis dans ma vie. Established in my life. À cause de ces liens démoniaques. Because of these demonic ties. Prions en langue. Let us pray in tongues. Prie que tu sois lavé propre, lavé propre. Pray that you be washed clean. Lève ta main. Raise your hand. Raise your hand. Et toi, serpent. Say you, snake. C'est le moment de régler. Si tu vois souvent les serpents en songe, règle ça pour toujours. Now is the time to settle all those who see the snakes in the dream. Ils partent. They should go. Ils ne reviennent plus. They should not come anymore. Toi, esprit de serpent. You, say you, serpentine spirit. Tous les serpents confondus. All the snakes put together. Si tu es serpent. If you are snake. Il s'agit de toi. You are concerned. Nous te jetons dans la poussière. We cast you into the dust. Dieu, au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous te couvrons de poussière d'abord. We cover you. We overlay you with dust. Et nous te chassons. And we cast you out. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Sors et va-t'en. Get out and go. Va-t'en. Be gone. Garde le calme. Remain calm. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Aucun parent, no relative, vivant ou mort, dead or alive, n'a le droit de vivre dans son fils ou son petit-fils. Has the right to live in his son or grandson, ou son frère, or his brother. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons tout esprit. We judge every spirit. Des morts. Of a dead. Qui a incarné quelqu'un. That has incarnated somebody. Qui habite dans une personne. That abide in somebody. Sors de là. Get out of there. Et va-t'en. And be gone. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Get out and go.
Sors et va-t'en. Get out and go. Gardez le calme. Remain calm. Dis Seigneur, c'est Lord, agis, act, même si c'est sous l'eau, even if it is beneath the waters, même si c'est sous les montagnes qui sont au fond des mers, even if it is under the mountains that are beneath the waters, the seas, agis Seigneur, act Lord. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Seigneur, nous jugeons la mort. Say, Lord, we judge death. C'est même si les sorciers ont déjà mangé la personne. Say, even if, oh Lord, even if the sorcerers have already eaten the person. Qu'elle vive! You are free. Mort, va-t'en! Death, be gone! Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Que toute personne qui a été mangée soit vomie. Let every person that has been eaten be vomited. Si la personne est encore dans notre monde. If the person is still in our world. Ils ont commis l'erreur de retarder un peu. If they have made a mistake to delay a bit. Nous déclarons. We declare. Que tu vas vivre. That you will live. Tu vas vivre. You will live. Tu vas vivre. You will live. À la honte totale. To the total shame. De ceux qui croyaient que tu es déjà mangé. Of those who thought or believed that you were already eaten. Et si tu as une maladie qui a commencé. Sois guéri. And if you have a disease that has started, be healed. Sois guéri. Be healed. Si il y a une maladie, if there is a disease, qui a commencé à se manifester, that has started to manifest, sois guéri. Be healed. Si tu perds l'argent, if you lose money, d'une façon inexplicable, in a way that is speechless, tu poses l'argent, you put money there, la moitié disparaît, and half of it disappears, ou une bonne partie, or a good part of it. Lève ta main droite. Raise your right hand. Nous jugeons l'envoûtement qui rend cela possible. We judge the bewitchment that makes this possible.
Nous jugeons tout envoûtement. We judge every bewitchment. Qui rend ce vol possible? That make it that theft possible. Gardez le calme. Remain calm. Let us pray in tongues. Oro baka joro baka gobo joro baka. Olo baka joro baka sakaba. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. J'ai trouvé un objet. If I found an object. Que j'ai ramassé. That I picked. Sans savoir que c'était pour un mariage démoniaque. Without knowing that it was for a demonic marriage. Sépare de cet objet. I separate myself from that object. Et j'annule ce mariage. And I cancel that marriage. Une bague, une chaîne. A ring, a chain. Je me sépare. I separate myself. De cette bague, de cette chaîne. I separate myself from that necklace. Je la brûle dans le sang de Jésus. Dans le feu de Dieu. I burn it in the fire of God. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Si quelqu'un a mes photos. If somebody has my pictures.
pratiquer avec. To practice with it. Mais c'est pas de ces photos. Simplement la picture. Je brise le lien qui a été établi. And I break the tie that has been established. Lève ta main droite. Raise your right hand. Si les esprits de mort habitent chez moi. Say if the spirit of death live in my home. Ici à Tekwa, j'ordonne. Being here in Tekwa, I command. Qu'ils sortent de ma maison. Them to get out of my house. Je proclame que ma maison appartient à Jésus. I declare that my house belongs to Jesus. Je proclame que ma maison appartient à Jésus. I proclaim that my house belongs to Jesus. Je proclame que ma maison appartient à Jésus. I proclaim that my house belongs to Jesus. Dehors tous les esprits mauvais. Say out all the evil spirit. Garde le calme. Remain calm. Let us stand on our feet, please. If you are malade, if you are sick, soit ta guérison au nom de Jésus. Receive your healing in the name of Jesus.
nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'invoque la guérison divine dans ma vie. I call upon divine healing in my life. Mon âme. C'est ma soul. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Te délivre. Who delivers you? Te guérit. Who heals you? Mon âme. My soul. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Te délivre. He heals you. Te guérit. He delivers you. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Maladie. C'est disease. Lève contre toi au nom de Jésus. Arise up against you in the name of Jesus. Jésus, par les maîtrises duquel je suis guéri. By the stride of Jesus, I'm healed. Jésus Christ. Jesus Christ. Qui est mort à la croix. Who died on the cross. Qui a dit tout est accompli. And who said all is accomplished. Je me lève contre toi en son nom. I rise up against you in his name. Je te chasse de mon corps. Cast you out of my body. Je te chasse de mon corps. I cast you out of my body. Je te chasse de mon corps. I cast you out of my body. Même si je ne connais pas ton nom. Even if I don't know your name. Tu maladie va-t'en. Say disease be gone. Dis, va-t'en, maladie. C'est become disease. Quitte mon corps. Leave my body. Leave my body. Quitte ma tête. Leave my head. Quitte mes yeux. Leave my eyes. Quitte ma gorge. Leave my throat. Quitte ma langue. Leave my tongue. Quitte mes dents. Leave my teeth. Quitte mon cou. Leave my neck. Quitte mon nez. Leave my eyes. Quitte toute ma face. Leave all my face. Quitte mon ventre. Leave my belly. Quitte mon estomac. Leave my stomach. Quitte mes intestins. Leave my intestines. Quitte mon cœur. Leave my heart. Quitte mon foie. Leave my liver. Quitte mes poumons. Leave my lungs. Quitte mes reins. Leave my kidneys. Quitte mon pancréas. Leave my pancreas. Quitte ma rate. Leave my Quitte. Leave. Quitte mon utérus. Leave my uterus. Quitte mon utérus. Leave my womb. Quitte ma prostate. Leave my prostate. Quitte. Leave. Quitte. Leave. Quitte mes ovaires. Leave my ovaries. Quitte mes trompes. Leave my tubes. Quitte au nom de Jésus. Leave. Va-t'en. Be gone. Je te chasse. Au nom de Jésus, tu es chassé. Au nom de Jésus, tu es chassé. Au nom de Jésus, quitte mon dos, quitte mes genoux, quitte mes orteils, quitte mes chevilles, quitte mes articulations, quitte ma colonne vertébrale, quitte, va-t'en. Prions en langue. Quitte mon sang, quitte mon sang. Leave my blood, leave my blood. Quitte mon sang. Leave my blood. Quitte. Leave. Quitte. Leave. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prie en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongue. Quitte mes nerfs, quitte mes nerfs. Leave my nerves. Dis
C'est au nom de Jésus. Say, oh, Jesus. Que les hémorroïdes disparaissent. Let hemorrhoids disappear. Que les hémorroïdes disparaissent. Let hemorrhoids disappear. Que les fibromes disparaissent. Let the fibroids disappear. Que les myomes disparaissent. Let myomes disappear. Que les myomes disparaissent. Let myomes disappear. Que les cancers de sein disparaissent. Let breast cancer disappear. Que les cancers du sein disparaissent. Let the breast cancer disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prie en langue. Pray in tongues. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que le diabète disparaisse. Let diabetes disappear. Que l'insuffisance rénale disparaisse. Let kidney failure disappear. Que l'hypertension disparaisse. Let hypertension disappear. Que l'hypotension disparaisse. Let hypotension disappear. Que les hépatites disparaissent. Let hepatitis disappear. Que le glaucome disparaisse. Let glaucoma disappear. Que la cataracte disparaisse. Let cataract disappear. Que la sinusite disparaisse. Let sinusitis disappear. Que l'asthme disparaisse. Let asthma disappear. Prie en langue. Pray in tongues. Que les bosses disparaissent. Let the humps disappear. Que les bosses disparaissent. Let the humps disappear. Que les boules disparaissent. Let the lumps disappear. Que les boules disparaissent. Let the lumps disappear. Que les kystes disparaissent. Let the cysts disappear. Que les kystes disparaissent. Let the cysts disappear. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la drépanocytose disparaisse. Let sickle cell anemia disappear. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prie en langue. Pray in t'asseoir. You can be seated, please. Qui a un témoignage? Who has a testimony? Viens vite. Come speedily. Le combat continue, ne pensez pas que c'est la pause. The battle is still going on, it's not a break. You reste concentré. You remain concentrated. C'est un moment très important. It's a very important moment. Le Seigneur envoie un ange opérer ton sein, enlever le cancer. The Lord can bring an angel, operate your breast and remove cancer. Nous étions à Giglo. We are in Giglo. Un ange est venu. An angel came. A opéré un invité. And he operated an invitee qui avait une hernie. Who has an hernia. Yes. Ça a disparu. And it disappeared. Il n'a rien dit ce jour-là. That day he didn't say anything. Il est parti vérifier aux toilettes. He went to check it in the toilets. Il n'y avait rien. And there was nothing. Mais il est rentré. He went back. Toute la nuit de samedi à dimanche. All the night from Saturday to Sunday. Dimanche matin. Sunday morning. Il vérifie. He checked. Il n'y a rien. Nothing. Il est venu à la réunion. He came to the meeting pour rendre témoignage. To testify. Jésus peut opérer même ta tête. Jesus can operate even your head. Enlever la maladie. Remove the disease. Il est là. He's here. Même comme tu ne le vois pas. Even though you don't see him. Sois concentré. Be focused. Vas-y. Yes, go on. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwadiane, disciple du pasteur Meunier. Je voudrais dire merci au Seigneur, dont la présence a été manifeste ce soir pour visiter son peuple. Alléluia. Je voudrais commencer par la fin, la dernière prière du pasteur. J'entendais, j'ai entendu mon fils Meunier, j'ai entendu tes cris et les cris de tes enfants, et je vous exauce, je vous exauce, je vous exauce,
Je vous exhorte. Maintenant, je reviens au début. Il y a plusieurs tableaux, mais je voulais juste partager quelques tableaux que j'ai vus avec le peuple de Dieu. Là où il y a les nouvelles âmes, une armée céleste est venue investir les nouvelles âmes, passer au milieu pour couper des chaînes. Plusieurs nouvelles âmes avaient des chaînes. Donc, ils prenaient des ténailles pour couper les chaînes, pour couper les chaînes et les libérer. Et puis ensuite, passer au milieu de toutes ces nouvelles âmes pour leur imposer des mains. Il s'agit de toutes les âmes qui ont donné effectivement leur vie à Jésus. Donc c'est l'armée céleste au milieu de ces âmes-là. Et passer au fur et à mesure dans les rangées pour leur imposer des mains. Pour leur imposer des mains. Cette séquence-là est ensuite passée et puis l'armée céleste est ensuite rentrée sous toutes les bâches pour travailler, pour imposer les mains aux gens. Et quand le pasteur a demandé, on a eu une prière dans laquelle le pasteur a demandé qu'on prie pour que les alliances que nos aïeuls, nos parents ont tissées avec les puissants des ténèbres et qui ont eu des conséquences néfastes, qu'on déchire ces alliances, que ces alliances-là soient déchirées. Effectivement, toutes ces alliances ont été déchirées. Tout a pris feu. Et quand il a demandé, parce qu'il y a beaucoup de conséquences, il a insisté sur les mariages, que les vrais mariages soient restaurés. Et là, cette fois-ci, le Seigneur insiste sur les mariages des seniors. Ça, c'était les mariages, beaucoup de mariages de seniors ont été restaurés. C'est-à-dire les personnes âgées femmes, les personnes âgées hommes ont été restaurés. Vraiment ont été bénis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup vont être mariés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va visiter beaucoup. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et le Seigneur, le pasteur a demandé que nous prions pour. Il y a des visages des gens, les ennemis prennent nos visages. Les visages des gens sont utilisés par les sorciers ou bien nous sommes rejetés parce que le visage n'est pas notre vrai visage. Et le Seigneur m'a fait la grâce de voir sur certains visages, il y avait des visages qui avaient la bouche était la bouche d'une misaraine, la bouche d'un animal. Mais si tu as le visage d'un animal, personne ne peut t'accepter, on ne peut que te rejeter. Il y avait plusieurs visages comme ça, ou bien des visages qui étaient tatoués, beaucoup de visages tatoués. Et quand il a demandé qu'on tienne les visages et pour que le Seigneur les nettoie, les lave, je voyais que le Seigneur lui-même lavait tous nos visages pour que ces visages soient entièrement restaurés. Et à la suite de cela, il a demandé que les mariages soient restaurés, que les vrais mariages viennent, Et là aussi, j'ai entendu que vraiment, que le Seigneur bénisse les seigneurs. Le Seigneur bénisse les seigneurs, que les seigneurs seront bénis, voilà ce que j'ai entendu. Les seigneurs seront bénis dans le mariage. Les seigneurs seront bénis dans le mariage. Et le pasteur a demandé que ce soit femmes ou bien hommes, qu'ils soient bénis. Et je recevais la même chose. Je veux dire merci. Il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais je veux dire merci au Seigneur qui était là ce soir. Il était descendu vraiment au milieu de nous parce que j'ai entendu cette voix. Je suis descendu au milieu de nous, de vous, pour vous bénir, pour vous délivrer, pour vous guérir. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Stéphane Jesse, disciple de la sœur Marjolaine Ungoran. Je veux rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré ce soir même. Le pasteur nous a conduit à prier contre les démons qui ont suivi les personnes qui ont pratiqué la sexualité de façon abominable. Et pendant qu'on priait, j'ai senti des picotements au niveau de mon sexe. Et je crois que le Seigneur vient de me délivrer. Que son nom soit béni. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Je me nomme Anita. Le dimanche passé, j'étais ici, comme mes soeurs aussi qui sont présents. Et quand on a prié, le pasteur a dit qu'on a qu'à prier aussi pour nos amis qui ont les difficultés dans leur vie. Donc, il a commencé à prier, il a prié. Et quand on est rentré, il y avait le frère... Vas-y. Vous êtes Octave, nombreux, je le voyais à la rue jour et nuit. Je dis, ah, Seigneur, je suis quitte à la prière. Vraiment, il faut me donner la force et le courage de parler à ton frère qui est couché à la rue, qui dort à la rue. Donc, quand il a fini de prier... Il faut aller tout droit au but. D'accord. Quand il a fini de prier, le mardi soir, je rentre à la maison et je l'ai croisé. Il tenait bidon dans sa main. Il dit, ah, frère, pardon, donne-moi bidon qui tenait dans sa main. What happened this evening? OK. Donc, j'ai commencé à le parler. Il dit, ah, je veux être ton ami. Il dit, ah, comment tu veux être mon ami? Il dit, ah, je veux être ton ami. Il dit, tu peux être mon ami pour me parler de Dieu. Il dit, effectivement, c'est ça, je suis venu te parler. Donc, je suis venu te parler de Dieu. Non, on veut ce qui s'est passé. Donne-lui le micro. Viens d'abord. Give the mic. Come first. Tu vois, on veut ce qui s'est passé. What happened right now? Nous ne voulons pas les témoignages d'avant-hier. We don't want testimonies of the day before yesterday. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Edoukou Léa. Mon faisait disciple le pasteur Meunier Boniface. Ce soir, ce qui s'est passé, j'étais ému dans la petite vision seulement. Quand le pasteur Meunier Boniface, non, c'est extraordinaire. Quand le pasteur Meunier Boniface disait, allons-y en profondeur. Non, je vois un sous-marin qui, j'ai dit, la vision était, c'était clair, un sous-marin dans l'eau. C'est-à-dire, il partait prendre les captifs. Il dit, les âmes sortaient. Ce que la sœur Kodjane dit là, c'est la vérité. Rakaraba. Je dis les captifs au Rakaraba. Oh Seigneur, merci. Dieu, tu m'as montré. Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es bon. Je dis, les âmes sortaient comme ça. Si des bouillies. Comment on appelle? Des choses. Quand tu veux te noyer là. Non, la bouée, c'est ça? Non, les captifs sortaient de l'eau. Et quand les captifs sont sortis, le sous-marin est rentré, c'est explosé comme ça, boum! J'ai dit, Seigneur, merci, que tu es Jésus bon, Christ. Tu es grand, au nom de Jésus-Christ, amen! Amen, suivant. Next. Gloire à Dieu, je me nomme Kwame Amagra Semoniola. Mon faisant de disciples, c'est pasteur Seka. Je vais dire merci à Dieu parce que tout de suite, il y avait mal à la gorge. Pendant que pasteur Meunier a dit, jugeons les envoûtements. Et j'ai senti quelque chose sortait de ma gorge. Donc, quand on a fini de prier sur les envoûtements, je n'ai plus senti le mal. Je vais dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen. Je suis la sœur Christiani. Mon faiseur, c'est pasteur Koné. Frère, à vrai dire, je ne savais pas que j'allais me tenir ici tout à l'heure. Ce soir, mais je ne savais pas. Depuis que je suis venue, je suis oppressée. Je suis oppressée par des esprits, je ne sais pas comment expliquer. Et tout à l'heure, il y a une voix qui me dit, va à la maison de prière. Je suis partie. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à plier, j'ai fléchi genoux. Frère, j'ai fléchi genoux, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, il reste 5 jours. Et il m'a répondu. C'est comme il y a quelque chose qui est sorti de moi, comme un envoûtement qui est sorti de moi. J'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. Mon cœur était libéré, frère. Et tout à l'heure, quand le pasteur a demandé qu'on prie,
pour renverser les idoles, pour renverser les principautés, les eaux, l'esprit des eaux. Frère, je vois des poissons, qui ont des coris sur les têtes, des grosses coris sur les têtes, qui sont sortis des eaux, les serpents qui sortaient des eaux, et nous tous, on était de les tailler en pièces, les juger, les tailler, et nous prenons des poissons pour les casser. Après ça, j'ai vu encore les esprits des eaux, ce sont comme des blancs, mais ils sont rouqués avec des taches sur eux, beaucoup. Quand les dieux ils venaient, les dieux ils venaient, les dieux ils venaient. Quand on a demandé, ils ont dit que ce sont les maris de nuit. Maintenant, on a commencé à les tuer, on a commencé à les casser, on a commencé à les détruire. Ils sont tombés et on a eu la victoire. Acclamation. La paix. Suivant. Next. Sinon, j'ai encore d'autres. Gloire à Dieu. Je m'appelle Adoukouman Fojatri Grasse-Séphonie. Mon fidèle est ici, papa Dei Joseph. Je veux dire merci à Dieu. Quand papa Dei a dit on n'a qu'à arracher tout, papa Méni a dit on n'a qu'à arracher tout ce que les ennemis ont pris. Il nous a volé. J'ai vu une vision qu'il y a un homme qui est sorti de l'eau, qui a jeté deux baraques d'argent. Il a lancé des sacs d'argent milliards. Je veux dire merci à Dieu, c'est que la famille de Jésus-Christ. Amen. Ce qui s'est passé ce soir uniquement. Vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Denise Abalé. J'ai prophétisé le disciple, le pasteur Bomba. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'esprit de ma grand-mère ce soir. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu ma grand-mère sortir de moi, une des tantes de mon papa que j'ai vécu avec elle. J'aimerais dire merci à Dieu qui m'a délivré de cette grand-mère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis invitée par un frère. Les deux étaient malades. Je suis partie à l'hôpital. Je venais, je suis allée saluer sa femme, c'est ma collègue. Je suis arrivée, son mari est venu, il dit, ah, ma fille, il y a prière. Elle dit, d'accord, viens m'asseoir. On a fini de prier, en même temps, il était là, il dit, ah, dimanche là, je ne vais pas à l'église. Il est venu où tu pries là. C'est ma première fois de venir à Kyoko ici. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Il y a une douleur au niveau de mes pieds, où le témoignage même, où Dieu va opérer le miracle, il était derrière. Bébé maman qui est venue à son mari pour présenter, voilà ce que Dieu a fait, il était là. J'ai dit, Dieu, moi-même, il ne me sent pas bien. Aujourd'hui même, pour arriver ici, là même là, je n'en ai pas envie de venir. Et puis, derrière, j'ai vu mes mensurés. J'ai dit, ah, ça là, c'est quoi ça? La voix me dit, il faut partir. Tu seras guéri ce soir. C'est là, ici, assis derrière. Qu'elle a fini. Mon bas ventre me fait mal. J'ai senti une douleur forte. J'ai dit, ah, ça là, c'est quoi? Dieu me dit, calme-toi. Laura, la guérison aujourd'hui. Toute douleur que je sentais dans mon corps, dans mes pieds. Pieds à la main, je ne vais pas soulever. Mais voilà ça. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci à Dieu. Si tu crois, il va te guérir. Acclamation à Jésus-Christ. Ce soir, de mal. Il y a un seul enfant. Mon enfant en bosse. Mais je sais que Dieu nous a raisonnés. Il m'a donné la guérison. Je lui dis merci pour ce bienfait. Tu crois, tu auras la guérison. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Boussari Annie. J'ai mon fils de dissous, merveilleux frère Paul Kodjo. Je vais bénir le nom du Seigneur. Il faut dire, quand je suis rentrée dans le cas aujourd'hui, je vais terriblement mal à la tête. Tous mes oreilles, mes yeux, tout me brûlait. Ce soir, lorsque passait prière, pour Dieu, on n'a qu'à intervenir. Toi, maladie. Nous te jugeons, nous te frappons. J'ai reçu ma guérison à ce moment. Ma tête est glacée, mes yeux, je ne sens plus de douleur. Acclamation. Amen. Alléluia. Je me nomme le frère Kokora, je viens d'Azadé.
Il faut dire que ça fait 2 semaines que j'ai piqué une crise du sein. Et je suis allé à l'hôpital Oufoué-Boigny où j'ai fait la Fipro. Ils m'ont dit que j'avais une crise du sein. Ils m'ont donné les médicaments. J'ai pris les médicaments, mais ça ne va toujours pas. Je suis allé à HMA, la même chose, ça ne va toujours pas. Et la semaine passée, mes 2 enfants sont tombés aussi malades et mon épouse. Il faut dire que j'ai presque pris tout mon salaire. Rick, va tout droit sur ce qui s'est passé ce soir ici. J'ai pris tout mon... Hier que je suis arrivé ici au camp, et tout à l'heure, j'étais à la délivrance, après la délivrance, je suis venu donner ma vie au Seigneur. Et tout à l'heure, bien aimé du Seigneur, cette douleur que je sentais pendant les 2 semaines, cette douleur atroce vient de disparaître de mon ventre au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ. Je me sens libre. Et je suis heureux, je bénis le nom de Jésus-Christ. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap of praise to Jesus. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Une phrase, une seule phrase. Je suis la sœur Biécois, grâce à Rarut. Et mon faiseur, c'est la sœur Joséphine Conné. Tout à l'heure, lorsqu'on priait, que le pasteur Meunier avait dit de dire à Dieu ce qu'on voulait, je me suis agenouée et j'ai commencé à présenter la situation de ma famille. Mais j'insistais que le Seigneur nous délivre de la pauvreté. Et tout d'un coup, il y a un esprit qui m'a saisi. Et c'était comme si l'esprit négociait, disant que, mais vous mangez, non? Il y a la maison qui est là. Pourquoi vous voulez me chasser? Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, non, que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Que je sais que Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Donc j'ai dit, au nom de Jésus, fais-en! Et donne tout ce que tu as pris. Et lorsque j'ai dit ça, je me suis levée pour bien prier encore. Et l'Esprit disait, je m'en vais, je vous donne vos biens. Moi, je veux dire merci au Seigneur qui nous a délivrés de la pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fieni Fatou Ouattara. On faisait des disciples, moi, Marie Godji. Je veux dire merci au Seigneur, lui qui m'a donné mes vrais pieds ce soir. Lorsque papa disait que si on t'avait envoûté avec tes habits, pour moi ce ne sont pas mes habits, ce sont mes chaussures. Quand j'étais petite, il y a Cabri, tu avais porté un pied de mes chaussures qui est rentré en brousse avec. Un autre jour encore, on est parti au champ, moi et puis ma tante, il était couché là, il me réveille, il ne voit pas un pied de ma chaussure. Et on a cherché, on n'a pas trouvé chaussures là. Mais depuis ce jour, quand j'ai fait les longs trajets, j'ai mal au niveau de ma cheville. Tout le temps, je ne peux pas marcher longtemps. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec. Et aujourd'hui, pendant que j'étais derrière là-bas, on était en train de prier. Mes deux pieds tremblaient comme s'il y avait quelque chose de depuis. Ça me faisait mal. J'avais mal au niveau de mes pieds. Je me suis assise. J'ai mis mes mains dessus. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Tout d'un coup, je vois une vision. Il y a deux mains qui sont venues avec des deux pieds. Ils m'ont dit qu'aujourd'hui, on vient te donner tes vrais pieds. Et j'ai vu. Jésus-Christ. Et j'ai vu, ils ont enlevé les pieds comme des pieds de bœuf sur mes deux pieds. Et puis la personne m'a donné mes vrais pieds. Dès qu'il m'a remis mes vrais pieds, la douleur a disparu. Je peux sauter. Je me acclamation. C'est un miracle. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la seule chance. C'est mon faiseur de duci. C'est Pépé Meunier Bonifat. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri des mal au ventre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Ange et mon faiseur de disciples, pasteur Ahmed. À la haute voix. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Ange et mon faiseur de disciples qui avait pasteur Ahmed. Je veux dire merci à Dieu. Lorsque papa priait, quand il disait que Dieu exauce-nous. Faut dire, j'ai vu une colombe blanche descendre du ciel qui est descendue au milieu. Et la voix me disait que je vous exauce. Et puis c'est la vision s'est arrêtée. Je vais dire merci à Dieu pour cette vision. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Mariga Fatoumata, disciple de la sœur Anno Cynthia. Je veux dire merci au Seigneur, celui qui m'a fait voir une vision tout à l'heure. Et lorsqu'on priait et papa a dit que nous séchons les coups d'eau, les adorations de la famille, le Seigneur m'a montré une vision comme
il y a un cours d'eau qui a séché carrément. Et tout ce qu'on avait donné, la cola, tout était mort. Les animaux, ils étaient tous morts. Ça fait un grand tas. Et un homme qui est sorti. Et quand l'homme est sorti, je l'ai vu, il n'avait pas de pied, mais il voyait sa tête. Et il vomissait des pièces d'argent, des pièces d'or. Il vomissait. Jusqu'à, il était gros. Et quand il est venu, quand il a fini de vomir, il est tombé. Quand il est tombé, je vois que c'est une vieille femme, chétive. Elle est couchée. Elle me dit, oui, c'est fini, je t'ai donné tout. J'ai dit, non, tu n'as pas encore fini. Il faut vomir tout. Je l'ai taillé en pièces. Et elle a commencé à vomir encore de l'argent, des pièces d'argent. Elle vomissait. Et après, elle a fait sortir une robe. Une belle robe. Elle dit, tiens, c'est ce que tu veux. Tiens ta robe, tiens. Une belle robe, scintille de diamants, belle. Gloire à Dieu. Et elle a fondu. Est-ce que tu es mariée? Are you married? Hein? C'est déjà fait maintenant. It's already done. Tu viendras ici l'an prochain. You will come here next week. Présenté. Amen. To present. La deuxième vision, le Seigneur, quand le pasteur a dit que l'ennemi utilise le visage pour faire des choses. Et il a dit de mettre la main sur le visage. Quand j'ai mis ma main, j'ai vu une main blanche qui est descendue et qui retirait la peau de mon visage. Il retire plusieurs couches. Il retire jusqu'à ce que mon visage devenait comme du sang. Et là, la main a fait passer, enfin, il a pris la main pour passer sur mon visage. Mon visage est devenu propre. Et il a pris le coton compresse pour essuyer. Il dit, tu es délivré. Amen. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je me nomme Agnès Sophie Christelle. J'ai pour faire le disciple, le pasteur Kwasi Emang Yakasemé. J'aimerais bénir le nom du Seigneur, lui qui vient de me délivrer ce soir. Quand Papa Meni a dit, on n'a qu'à se séparer de tout ce qu'on a ramassé, et j'ai vu en vision, parce qu'au village, il y a une femme qui est venue donner beurre de karité à ma maman, et ma maman m'a donné aussi. Et quand Papa Meni a dit, on n'a qu'à se séparer de tout ce qu'on a ramassé, j'ai vu une fille, nuit, elle n'avait pas porté habit, elle était en caleçon. Elle est venue ramasser ses beurres de karité et elle est partie. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur, lui qui vient de me délivrer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kwasi Léon. Je m'en faisais d'ici, maman aux têtes. Frère, le Seigneur vient de me délivrer. Il faut dire que quand je prie, je ne me concentre pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de prier comme il le voulait. Je dis merci à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, je prie comme il le faut, au nom de Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je suis Gazois Jean-François. Je suis disciple et serviteur du pasteur Boniface Meunier. Pendant que nous prions, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il y a eu une vision à plusieurs tableaux. Mais je voulais partager un seul tableau pour ne pas répéter ce que les frères ont déjà dit. Pendant qu'on priait, j'ai vu une échelle qui est descendue du ciel et qui est venue jusqu'au niveau des semeurs. La bâche des semeurs n'était pas là. L'échelle est descendue jusque-là et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu. La face était lumineuse, rayonnante de gloire. Et il est descendu, il a marché depuis les semeurs. De l'estrade, il est descendu des escaliers et il est venu tout droit vers la bâche de la délégation internationale. Et ce n'était pas une bâche, c'était comme une grande salle vitrée. Et quand il est entré, c'est comme j'ai été attiré et nous sommes entrés dans cette salle. Il est allé vers chaque frère de la délégation internationale. Jésus-Christ. Et à chacun, Jésus-Christ. À chacun, il avait un trousseau de clés. Quand il descendait, il avait accroché le trousseau de clés sur son côté. Quand
Il est entré dans cette grande salle vitrée. Il a enlevé, il enlève une clé. Sur la clé, il y avait un porte-clé. Chaque clé a un porte-clé. Et le porte-clé est comme une médaille en forme de carré, une médaille en or. Et il donnait à chaque frère de la délégation internationale. J'observais, je demandais, je remarquais que les clés n'étaient pas identiques. Il donnait, les clés n'étaient pas identiques. C'était différent des grandes clés, de petites clés, de longues. J'ai demandé, mais pourquoi les clés ne sont pas identiques? Je ne demandais pas, mais je pensais seulement. Mais c'est comme il pouvait lire dans ma pensée. Et il répondait, il n'ouvrait pas la bouche, mais son esprit communiquait avec mon esprit. Et il disait, les nations ne sont pas les mêmes. Ils ne viennent pas des mêmes nations. Ce n'est donc pas les mêmes cultures. Et sur les médailles, je pouvais lire distinctement deux mots. Le premier mot était exaucé pour chacun. C'est le second mot qui était différent. Le mot exaucé était pareil, c'était sur toutes les médailles. Mais le second était différent. Pour d'autres, je voyais le don de foi. Pour certains, le don de sagesse. D'autres, le don de prophétie. D'autres, le don d'intercession. Je pouvais voir le don d'évangéliste. Donc, le Seigneur disait, il a exaucé. Et puis, il est capacité pour aller le servir. Jésus-Christ. Et il distribuait, quand il finit de donner la clé, c'est comme il s'accroupit un genou au sol et puis il enlève la chaussure qui est là et puis il lave les pieds, il met une nouvelle chaussure. Il faisait ça pour chacun. Je pouvais sentir dans mon esprit comme un envoi missionnaire. Et après, pendant qu'il le faisait, j'ai détourné mon regard pour voir l'échelle parce que je sentais que l'échelle était en train d'être roulée comme une natte pour remonter. Et j'ai vu l'échelle qui remontait. Quand je suis revenu pour regarder là où il n'était plus là. Et la vision est passée. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus. Ah, attendez, qui a été guéri? Wait, who has been healed? Bon, ceux qui ont les visions, vous quittez. Those who have vision, you leave. Ceux qui ont été guéris seulement parlent. Those who have been healed only speak. Parce que les visions concordent et disent la même chose. Because the vision are saying the same thing. Et avec beaucoup de maturité. With a lot of maturity. Vas-y. Gloire à Jésus. Je suis le frère Sylvain Boin. Je suis là ce soir pour dire merci au Seigneur. Je suis là ce soir, papa, pour vous dire que votre Jésus là, il est vraiment réel. La journée, quand nous sommes arrivés ici, les gens rendaient témoignage. Il voyait que c'était de n'importe quoi. Et toute la journée, du moment même que les gens rendaient témoignage, j'étais en train de lutter à moi-même, j'étais en train de lutter avec ma conscience. Il y a quelque chose qui me disait que ma place n'était pas ici, de quitter les lieux. Parce que la semaine s'est passée, quand je suis venu, je suis quitté ici avec une maladie, et par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés, du moment que les gens rendaient témoignage ici, il y a un esprit qui me dit, on t'a déjà dit que ta place n'est pas ici, il faut quitter. Donc, où j'étais assis,
avec mon frère en Christ qui est en train de m'encadrer actuellement. Je cherchais l'occasion pour partir à la maison. Parce que tout ce qui se passait ici, tout m'énervait. Donc il y a un esprit qui me dit non, il faut quitter le lieu. On t'a déjà dit que ta place n'est pas ici, il faut quitter le lieu. Donc j'ai dit à mon frère en Christ que non, moi j'ai froid. Je vais boire café. Donc, lui-même m'a accompagné, où on fait café là-bas, il dit je vais prendre Luton. Il a pris Luton, il est arrêté à côté de moi, il dit il faut boire, on va aller s'asseoir. Il dit moi-même là, je ne vais pas boire Luton ici. J'ai pris le café en main, je suis parti derrière la route où il y a le chantier là-bas. La voix me dit toujours, il faut quitter ici, il faut partir à la maison. Donc je suis là, je suis en train de marcher, je suis sur le chantier là-bas, en train de marcher, je cherchais l'occasion pour partir à la Palmyrée. Je suis là, il y a un taxi qui venait. J'ai arrêté le taxi. Mais mon sac est resté ici. Mes affaires sont dessus. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai laissé le taxi. J'ai tourné dans les rayons. Après, je suis venu m'asseoir à côté de mon frère. Il me demande ça va. Je lui ai dit, tout va bien. On n'a qu'à faire le tour et puis on va rentrer à la maison. Donc, tout à l'heure, pendant la prière. Tout à l'heure. A while ago. Lorsque papa a dit, on va chasser les esprits des eaux. C'est comme c'est une bombe qu'ils ont mis dans ma tête. Lorsque papa tient son micro, il attrape mes oreilles. Il ne peut pas. C'est comme c'est une bombe qu'ils ont mis dans mes oreilles. La prière était intense et il a insisté encore qu'il y a des personnes même qui ont mangé des choses. Les personnes là vont vomir. Automatiquement, il y a eu 4 personnes qui sont venues me chercher. On dit, bon, on est venu te chercher. Allons-y, tu ne dois pas rester. On t'a déjà dit, si tu restes ici, tu vas tomber malade. Lève-toi, on va quitter le lieu. Papa est en train de prier, les gens sont en train de prier. Je suis en train de lutter avec les 4 personnes. Un homme avec des cornes, 3 femmes. Il y a une, elle a un joli visage, mais le reste, c'est poisson. Donc, la prière était intense. On dit, bon, on va le faire sortir par la force maintenant, puisqu'il ne veut pas partir. Toute la journée, on a tout fait. Il ne veut pas partir, on va le faire sortir par la force. Le pasteur aussi était en train de prier. La prière, c'est comme une bombe dans ma tête, toujours. Je ne pouvais pas tenir. Arrivé un moment maintenant, l'homme lui dit, bon, comme il ne veut pas partir, on n'a qu'à le tuer ici en même temps. Donc, lorsqu'il a dit, on n'a qu'à le tuer ici en même temps, il luttait sur moi, ils étaient 4. Moi aussi, j'étais en train de lutter dans les rangées là-bas. Et en même temps, je ne sais pas, quelque chose que je n'ai jamais vu, j'ai vu une forte lumière descendit sous la bâche. Jésus-Christ. Lorsque. Écoutons. Lorsque la lumière est descendue sous la bâche là-bas, l'homme. Il voulait fuir, lui qui avait des cornes. Il voulait fuir. Et il a cogné les poteaux, il est tombé. Lorsqu'il a cogné les poteaux, il s'est transformé en corbeau. Et il y avait le feu sur lui, il brûlait. Maintenant, les 3 autres femmes, il y a une qui avait un joli visage qui était poisson, elle est rentrée, je ne sais pas comment. Elle s'est arrangée sous les bâches là-bas. Elle est rentrée dans l'eau. Et lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, il y avait une feu qui brûlait la femme là dans l'eau. Malgré qu'elle est dans l'eau. Jésus-Christ. Et les 2 autres femmes, elles se sont transformées. Elles ne pouvaient plus. Elles se sont transformées en ébou. Mais lorsqu'elles s'envolaient, il y avait toujours le feu sur eux. Et elles ont commencé à crier, à pleurer, à pleurer. Donc, au moment où je vais prendre conscience, j'étais
dans la mer, je ne sais pas, sécurité. Voilà. Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je t'aime, Jésus. Non. Je te cache dans le sang de Jésus. Je proclame que tu appartiens à Jésus. Que personne ne peut rien contre toi. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Tout rassemblement contre toi sera dispersé. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a fait une grâce ce soir. Parce que c'était la dernière fois que j'ai fait un songe. On battait enterrer les morts, trois cercueils. C'est ça, pasteur Meunier disait, priez pour les esprits de mort. Et j'ai prié. On était là à prier et vraiment, j'attends quelque chose qui est vraiment rentré en moi. Avec puissance, je suis tombée. Quand je suis tombée, les frères sont venus me prendre, ils sont allés prier sur moi. Quand ils sont allés prier sur moi, j'avais vertige. Quand on me dit, esprit de mort, libère la soeur, je tombe, j'avais vertige, je ne sais plus. Et vraiment, ils ont prié pour moi. Dieu a dit, ah ma fille, toi, les esprits de mort là, ils sont déjà libérés. Et Dieu m'a fait grâce ce soir. J'ai dit, mais Seigneur, si je viens, pardon, visite ton serviteur, pasteur Meunier, que tu passes par lui pour que je reçoive ma guérison ce soir. Et Dieu a fait miracle, il m'a délivré de l'esprit de mort. Je lui ai dit merci, que l'honneur et la gloire lui revenaient de Christ. Amen. Sûrement. Next. Gloire à Dieu. Je me nomme le pasteur Rigito David. Je vous fais le disciple pasteur Salomon. Je veux dire merci à Dieu, lui-même qui m'a guéri de mal de terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Je m'appelle Corée Péniel. Aujourd'hui, quand papa prêchait, il a dit qu'on n'a qu'à prier pour les maladies. Arrivé à certains moments, j'ai commencé à prier parce qu'il y avait ulcère. Maintenant, j'ai commencé à prier, j'ai vu les anges descendre. Et puis, j'ai vu une lumière descendre. Et puis, la lumière a dit, occupez-vous de le reste, moi je m'occupe du cœur. Et puis, comme ça, la lumière est rentrée dans mon cœur. Et puis, il a enlevé le cœur que j'avais et puis il a remplacé autre cœur. Et maintenant, je n'ai plus de douleur sur ma poitrine. Et lorsqu'il partait, il a dit, que de dire à son peuple qu'il est aussi son peuple, qu'il aime son peuple. Amen. Gloire à Jésus. Je me nomme Balé Louis-Fried, disciple du pasteur Tanguy. J'adore un couteau. Ce soir, pendant qu'on priait, papa dit que la maladie qui est dans tes veines, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, j'avais mal à la hanche. Ça fait près de 2 mois et je n'arrive pas à m'asseoir pour travailler. Mais le soir, pendant qu'on priait, le Seigneur a eu compassion de moi. Il m'a guéri des maux de hanche. Que son nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je me nomme Toali les Oiris. Mon faisant le disciple, c'est Papa Loukou. Bon, lorsque Papa Némé a dit qu'on n'a qu'à prier en langue, comme je ne savais pas prier en langue, je priais comme cela. Et puis, un coup, j'ai commencé à parler en langue. Donc, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Bali Oulératou et mon faisait de disciple, c'est Papa Nana.
Dieu m'a guéri de maux de tête depuis 2015 suite à un accident. Ce soir, j'étais assis là, j'étais en train de renverser les idoles. Et je suis arrivé sur l'idole de la folie. Quand j'ai commencé à prier, j'ai senti comme si on me piquait sur la tête. Et je me suis levé pour partir voir l'équipe de délivrance. Ils ont prié pour moi. Mais arrivé un moment, je n'arrivais plus à prononcer, à dire au nom de Jésus. Et puis, ils ont arrêté la prière et puis m'ont demandé ce qui ne va pas. C'est ça, je leur ai dit que, je leur ai expliqué les rêves que je faisais. Je n'arrivais pas à expliquer la rêve, mais je me suis forcée pour expliquer tous mes rêves. C'est ça, ils ont commencé à prier. Et après la prière, j'ai senti une colère à moi. Et puis, ils ont arrêté la prière encore, m'ont demandé, j'ai dit, je me sens en colère. Et puis, ils ont prié pour la colère. Quand ils ont prié, je me suis sentie en paix. Je leur ai dit que ça va. Je me suis levée, je suis venue m'asseoir. Moi qui n'arrivais pas même à m'approcher du bruit, je ne pouvais même pas crier. Le soir, je suis assis à côté de Tuka Bafle qui criait fort, fort. Mais ma tête ne me faisait plus mal. Je peux crier! Ma tête ne me fait plus mal. Jésus-Christ. Et Dieu m'a aussi guéri de moi demain. Ma main depuis le samedi s'y passait, je n'arrivais plus à fermer. Mais voici ce soir. La main se ferme. Je veux rendre gloire à Dieu. Que tout l'honneur et la gloire lui revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit, les guérisons, ça comme les visions ont déjà rendu témoignage. Les visions après, demain. Bon, ce soir, les guérisons. Vous qui restez là, c'est guérison seulement. It's only healing. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Emmanuela. Mon fils de disciple, c'est maman Chantal. Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri, il a guéri mes reins. Parce que quitté à la maison pour venir, ils ne sentaient plus mes reins, ils sentaient malade. Ma hanche. Donc, quand je suis arrivée, que le pasteur Meunier a dit qu'on a prié pour la maladie qui s'est quittée là. Donc, quand il a commencé à prier, là, c'est parti. Donc, je veux leur dire merci à Dieu. Que la gloire, l'honneur le revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Salomé. Mon faiseur de disciples, c'est mon pasteur. Je veux dire merci à Dieu parce que quand on a commencé à prier pour que maladie sorte de notre corps, j'ai prié pour ma tête et ma tête a commencé à me faire mal. C'est ça maintenant, la douleur a disparu. C'est ça, je veux dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Dieu veut rendre gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Groyou Prunel. Mon faiseur de disciples, c'est Papa Soro. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir délivré de l'esprit de chien errant. Le soir, quand je priais, j'ai vu un esprit qui est sorti en moi. Un esprit de chien qui est sorti en moi. Un vent classé qui est sorti en moi. Donc, je veux dire merci à Dieu de m'avoir délivré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Uriel, disciple de maman Marie Gauthier. Je veux rendre grâce au Seigneur qu'on priait pour, contre les envoûtements, qu'on a ramassé les choses. Et puis, j'ai senti que je baillais beaucoup. Et ensuite, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il a ouvert les portes. Je vais rendre grâce au Seigneur pour sa délivrance dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Véronique Koulibaly. Je viens du Burkina. Mon père de disciple, c'est pasteur Franck Tapsoba. Je vais rendre grâce à Dieu ce soir parce qu'il m'a délivré de la haine. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait mes brisements de liens. Mais
j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de situations dans ma vie. Donc, il y a les gens qui m'avaient fait du mal. J'ai dit, j'ai pardonné, mais je n'arrivais pas à oublier. Donc, ça me dérangeait beaucoup. Ça me fatiguait. Mais ce soir, quand j'étais en train de prier, j'ai eu la peur en moi. Quand j'ai senti la peur, j'ai senti une obscurité qui est sortie en moi et la force. Et je pleurais. Quand je me suis réveillée, je me suis trouvée dans les mains des frères. Et bien, je vais dire merci à Dieu de ce qui m'a délivré de cela. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, moi c'est la sœur Ngoran Belle-Rose. Quand mon professeur de disciples, c'est le pasteur Ngoran. Il faut dire que quand j'étais sur les semaines, j'avais mal à la tête. Maintenant, quand pasteur Ménia a dit, on a qu'à chasser toute maladie, j'ai commencé à prier. Je ne sens plus le mal. Je veux dire merci à Dieu, celui qui m'a délivré. Suivant. Next. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Maintenant qu'on a un jour m'adoché, mon frère d'ici, c'est le frère Richard. Il a dit merci à Dieu qui m'a délivré de mal au ventre jusqu'ici. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré d'un mari de nuit aujourd'hui même. Je suis la sœur Dro Michael et mon faiseur de disciples, c'est la sœur Adiko Raïssa. Il faut dire que je suis une personne très colérique. J'avais tout le temps de la haine pour les gens. Pour peu de choses, je pouvais crier. Et aujourd'hui, quand le papa a commencé à prier, il nous a demandé de chasser les esprits de mari de nuit. Il a dit de chasser et j'ai saisi l'opportunité. J'ai commencé à chasser. Après, il disait que vous allez vomir, ne vous retenez pas. Et j'ai commencé à cracher. J'ai ressenti une forte douleur dans ma poitrine. Et j'ai commencé à trembler. Après, je me suis retrouvée dans les mains des frères. Ils ont commencé à prier pour moi. Et j'ai vu un ombre noir sortir de mon corps. J'ai hurlé, il est parti. Je veux rendre gloire Jésus. À Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gabon Afré-Marie. Mon frère de d'ici, c'est Tata Yvette. Je dis merci à Dieu. Quand passé me dit à Dieu qu'on a prié pour ceux que le diable a volé les visages. Je dis merci à Dieu parce que Dieu m'a rendu mon visage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Camara Mariam Grâce Vaillant Guerrier. Je vais dire merci à Dieu parce que Dieu m'a délivré ce soir. Vraiment, quand papa a dit que ses yeux de moi n'est qu'à s'ouvrir et mon teint n'est qu'à s'ouvrir, je commençais à avoir la nausée. Et quand il a dit Marie de nuit, je commençais à vomir. Vraiment, je vis la main de Dieu. Je vais lui dire merci parce qu'il m'a délivré ce soir. Au nom de Jésus, amen. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Qu'aucun esprit ne te suive. Let no spirit follow you. Que tous les démons chassés ne se tiennent pas sur ton chemin. Let all the demons that have been cast out not stand on your way. Ils n'aillent pas dans ta maison. Let them not go in your house. Une muraille de feu t'environne. Let a wall of fire surround you. Vous avez vu le combat que le jeune converti a mené. You saw the battle of the young convert. Jésus lui a donné la, nous a donné la victoire. Jesus gave us victory. Dis Seigneur merci. So, Lord, thank you. Dis Seigneur merci. Lord, thank you. Dis merci, merci. Say thank you. Protège-nous. Protect us. Protège chacun jusqu'à domicile. Protect each one up to his home. Que tout ce qu'on a reçu. Let all that we have received. Sois caché dans le sang de Jésus. Be hidden in the blood of Jesus. Amen. Amen.